Pas tous, c'est Olivier. On se retrouve aujourd'hui sur Football Manager pour notre demi-finale de la Coupe de France contre Amiens. Donc c'est parti, on y va. Donc nous avons Rongier qui est blessé. Nous allons mettre à la place Evangelista. Qui c'est? On va refaire jouer un petit peu Hermani parce que j'en avoir besoin pour la finale de la Ligue des Champions. Matisse. Et je crois que je sais plus s'il a besoin de repos ou pas. Tac, tac, tac. On va voir, on va essayer de le mettre, on va voir. On va voir ce que ça donne. Donc, Ivan a besoin de repos. C'est contre Amiens, on va mettre Mathieu Delpagne. Et on a Touré qui a besoin de repos. Je pense que je vais mettre soit Crin, soit Giroto. Ouais, Giroto. Je pense que là, tac, tac, tac. Cortinovis est bon. Donc on va mettre Cortinovis à la place de Mohamed Bongara. On va virer Touré des remplaçants il a besoin de repos. Donc du coup, on va repasser avec notre défense classique. Donc c'est-à-dire Cara et Diego Carlos. Faut pas déconner. On va mettre KMB. Je pense qu'on est vraiment pas mal là. Donc on va y aller. On n'a pas l'effectif total. Par contre, Cortinovis, il n'est pas bon. On va mettre en meneur de jeu avancé. C'est parti contre Amiens, je pense qu'on va pas avoir trop de difficultés. En tout cas, je l'espère. Va voir ce que donne ce côté droit, Hermani Delpagne. Alors, belle série. Je sais que vous. Tac. Tac. Je sais que vous pouvez faire beaucoup mieux. Fin de la causerie. C'est parti. Hermani, Hermani, tacle, taclé. Et la fin du moment fort. Voilà, faut faire attention, c'est quand même une demi-finale. Peut se passer beaucoup de choses. Cortinovis, centre sur Marc, raté. Diego Carlos, Evangelista, Hermani, Evangelista qui revient sur Giroto, Cortinovis, Hermani sur son côté droit, centre. Récupéré par Lucas Evangelista, magnifique but de Lucas Evangelista. On le félicite évidemment, bien sûr, toujours. On va l'applaudir quand même. Un zéro dans le premier quart d'heure, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Diego Carlos a été averti, il faudra lui demander de moins appuyer ses tacles. Évidemment, bien sûr. Ah, attention, ils sont gonflés à bloc, suite aux commentaires de l'entraîneur. Fabio Jaune. Ouh, le poteau. On a eu chaud là. On a eu chaud. Nous sommes à la 35e minute de jeu. En termes de possession, on est à 62%, ce qui est vraiment pas mal du tout. Hop, hop, hop. Matchis, goal, Cortinovis, qui décale sur Evangelista, Hermani, tacle raté, Hermani. Et il a voulu la jouer trop perso, Hermani, là. 40e minute de jeu.
On perd un peu le contrôle de la balle, là, de la possession. C'est Cortinovi centre sur je sais pas qui. Darwin Vachis va tirer le penalty. On a pris un penalty. Je. Arrêtez. Diego Carlos. Alors ça va les motiver. Hein. Tataroussanou, impeccable. Ah là là, si on avait pu mettre le but là. Rémi. L'analyse, on va quand même effectuer. On ne peut pas effectuer. Bon, on va faire la causerie là. Et on joue bien, mais on peut faire mieux, les gars. Hein. Ouais, pas dire. Hein. Vous pouvez faire mieux. Je sais de quoi vous êtes capable. C'est parti, les gars. Allez, on y va. Toujours 60% de possession pour nous. Fabio qui perd la balle. Evangelista qui récupère. Sur Marc qui décale sur Hermani. Hermani toujours. Contré, centre. Ouh là là. Pas ce qu'il nous a fait là. Cara. Tataroussanou qui monte. Matisse sur Fabio. Matisse qui. Au-dessus. Lucas Evangelista, 12e carton jaune de la saison. Ben dis donc. Déjà 3 avertis. Chez, contre Paris, je suppose, la finale. C'est dégagé. Ça revient. Contré. Ça va revenir. On subit, j'aime pas ça. Au-dessus. J'aime pas trop ça, hein. On a un peu trop subi là. Bah, du coup, ils ont la possession là en fin de. Soixantième minute. On va descendre, on va changer un petit peu la tactique. On va faire descendre. Et on va faire sortir. Qu'on va faire entrer. Crine à la place de Lucas Evangelista pour essayer de jouer un peu plus défensif pour préserver le score. Et je préfère Evangelista, j'en ai besoin vraiment pour la suite. Donc autant l'économiser un petit peu. Donc 70e minute de jeu, toujours 1-0 pour le SC Nantes. Possession, ça diminue, hein. On est à 58%, ils sont à 42. Ils ont des bons moments de phase de jeu, je sens qu'ils vont nous en mettre un. C'est au-dessus, ça. Il reste 7 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Hermani coup franc dans le mur. Penalty là. Non, 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 non. Oh, putain, pas eu le temps de cliquer. Allez, Hermani. Le gardien est chaud, mais tu nous l'arrêtes. C'est, tu nous le mets, je veux dire. Yes. 2-0. Hermani, félicité, ça c'est bien ça. Il l'a tiré du même côté. Hein. Il était dessus le gardien. Il est pas mauvais hein, le gardien. Guttner, il est pas mauvais Guttner. Allez, plus qu'une minute dans le temps additionnel. Marc. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, le contre. Hors-jeu. Allez, Cara qui va dégager. Ou pas. Alors Cara. Ah bah non. Victoire. Nous sommes en finale de la Coupe de France. Vestiaire. Cosy d'équipe. On va être véhément.
Nous sommes en finale, félicitations, je suis heureux pour vous. On va pas leur en dire plus. T'es pas mal. Boîte de réception. Et voilà, écoutez, bah on va se retrouver bientôt pour la finale de la Coupe de France, la finale de la Ligue des Champions, et bah pour le bilan, hein, parce que calendrier, je crois qu'il me reste juste un match en championnat et ça sera fini. Donc, il faut à tout prix que je le gagne aussi, sinon Paris passe devant. Donc voilà, donc on se retrouve très bientôt. Je vous dis à très bientôt pour les deux finales. Et en attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien, bon jeu. Et comme d'habitude, surtout n'oubliez pas, si vous avez aimé, kiffez un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager, à liker. Voilà, un petit commentaire aussi, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!